Hello, aujourd'hui on réalise 7 plats pour un. Pour le premier plat, on aura besoin de graines de lin, de verre de farine, de flocons d'avoine, de poivrons, de concombres, de navets, de pommes, de salade et de persil. On commence par mettre les ingrédients secs en premier, donc les flocons d'avoine, les graines de lin et les verres de farine. Je mets une rondelle de navets, deux rondelles de concombres, deux tranches de poivrons, un petit peu de pommes et un tout petit peu de persil puisqu'à grande dose il est nocif, puis de la salade. Pour le deuxième plat, on aura besoin d'avocat, de carottes, d'endives, de salade, d'aubergines, de graines de courge, de betterave et de semoule cuite. Je mets un tout petit peu de salade, 4 rondelles de carottes, le bout d'une endive, le bout d'un avocat, j'en mets pas trop parce que c'est très calorique, une rondelle d'aubergine, et un quart de betterave. Je rajoute la semoule et les graines de courge une fois que c'est froid, j'avais juste oublié de filmer. Pour le troisième, on aura besoin de carottes, de bananes, de salade, de poivrons, un petit peu de courgettes, un petit peu de choux, de la patate cuite. J'épluche la moitié d'une patate et après je la coupe en petits morceaux. Après je mets le petit bout de courgette, une feuille de chou et une languette de poivron. Un petit bout de banane. Quatre rondelles de carottes et une feuille de salade. Pour le plat numéro 4, on aura besoin de pâtes, donc ça c'était des pâtes complètes, d'épinards, de fanes de carottes, d'ananas, d'aubergines, de pommes. Je coupe un tout petit peu d'ananas, une rondelle d'aubergine. Je coupe les pâtes puisque quand je leur donne les salades, c'est vers 22h quand c'est le moment de rentrer et du coup c'est plus simple si les pâtes sont coupées, comme ça elles ne ressortent pas de la cage pour les manger. Les épinards, le bout des fanes de carottes et un quart de pomme. Cette gamelle était un peu plus petite parce qu'elle n'avait pas du tout fini celle de la veille. Pour la cinquième, on aura besoin de salade, de pêche, de tomates, de brocolis, de fenouil, de carottes et des fanes, plus des pâtes. Je coupe toujours les pâtes pour le même principe. Un petit bout de fenouil, un bout de brocoli, 4 rondelles de carottes, un bout de tomates, un tiers de pêche. Et je rajoute sur le dessus une feuille de salade. Pour le plat numéro 6, on aura besoin d'endives, de bananes, de tomates cerises, de cerises, de fanes de radis, d'un œuf cuit et de riz cuit.
Donc je commence par couper deux petites tomates, puis les cerises. Un petit bout de banane. Le bout d'une endive. Les petites fans de radis. Et après, je casse un petit peu l'œuf pour que ce soit plus facile à manger. Je rajoute le riz cuit. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'œuf, je leur ai donné des petits bouts. Puisque sinon, j'ai disputé pour l'avoir. Pour le dernier plat, on aura besoin d'un mélange de petites épeautres, de courgettes et de carottes cuites, de la salade, du céleri, de la fraise et du poivron. On met le mélange dans la gamelle, après on coupe une fraise, 4 petits bouts de poivron, un tout petit bout de céleri, personnellement ils n'aiment pas trop, du coup j'en mets pas beaucoup, et après je remplis la gamelle avec de la salade. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. À me dire si vous connaissez des protéines adaptées pour les rats, puisque je n'ose pas trop leur donner de la viande.